et salut dans cette nouvelle vidéo de Mickey, et on se retrouve aujourd'hui les gens pour... La suite des aventures de Princess Peach, Showtime. Oh, le robot a changé. Ouais, on était rendu à l'étage 2. On avait déjà fait deux pouvoirs, détective et patinage artistique. Et du coup, eh bien, on va faire les deux autres pour faire sûrement le boss de l'étage. Donc, faut me dire si ça vous plaît. Et du coup, c'est parti. Let's go. En tout cas, voilà, faut faire passer à l'heure de pouce bleu. Direct. Ah oui, faut s'abonner à la chaîne. C'est les pays, viens avec nous. C'est une évolution... Normalement, il y a plein de monde au château, je me demande ce qu'il se passe. Ah, c'est un niveau épéiste alors. Bah non, mais il y avait un sabre. Oui, mais c'était un sabre. Ah, on change peut-être d'épée. Ah, ce château est à présent le mien. Ok. Allez, allez. Tout intrus dans mon château. Tombera. Bah pour le coup, tombera. Épéiste. Ah, on commence un niveau directement transformé, c'est marrant. Notre épéiste, aide-nous s'il te plaît. Ils nous ont enfermés ici avec leur pouvoir sombre. Ok. Occupe-toi d'eux. Ok. Faut que tu casses aussi celui d'en face ou tu peux pas y aller? C'est le vaisseau. On compte sur toi. Il est parti l'autre là. Ah, c'est bon. Ah! Ok. Donc bien sûr, à la recherche du ruban, à la recherche des petites étincelles. Bah ouais, c'est le but de toute façon. Et puis des nouveaux pouvoirs, mais en tout cas le gameplay est très très sympa. Hein, de bah visuellement, c'est très joli. Visuellement, il est magnifique, les musiques sont super stylées. Bah faut nous dire si vous l'avez commencé, si vous l'avez terminé, quelle est votre transformation préférée. Je fais des rimes. C'est ça. Et du coup, bah, les nouveautés, de toute façon, on va jouer à intervalle. Ouais, c'est ça. Chacun décidera quand il voudra choisir le pouvoir. Comme c'est un jeu solo. Sois prudente. Ok, c'est le premier. Ouais, c'était le premier. Mais pourquoi c'était une sorte de sabre? Ah. Parce que je pense que ça va être une autre épée. Ouais, je pense. Mais c'est... tu vas garder ta tenue et tu vas avoir une autre épée. Ouais, je pense que ça va être ça. Qui va taper. Ça va être une évolution, peut-être. Heureusement que t'as pas cassé les trucs. Bah ouais, je me suis dit. Mais je pense que c'est que des pièces. Ah oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Non, c'est ok, d'accord. C'était pas très méchant. Oui, il faut sortir là. Non, c'est en bas. Ah si, c'est là-haut. Ah non, c'est en bas. Ah non, c'est en bas, c'est un effet d'optique. Ok. Au bon endroit. Du coup, on a regardé un petit peu, il y aurait... Entre 6... Ouais, à peu près presque 6 heures de jeu. Noble pays, nous sommes terrorisés, sors-nous de là. C'est pas fou. Bah on va voir, hein, on va voir. Bah plus ça va, plus la durée des vies des jeux... Ouais, il est en train de diminuer fortement. Ah, va falloir que tu esquives. Oh, c'est bizarre l'effet au fond. Ah, bien joué. Bien joué. En fait, ils sont dans le mur. Et ils sortent du mur. Ah là, ouais. Il reste plus qu'un. Bien joué. Good. Est-ce que ça donne une petite étincelle? Oh, ça se trouve, il faut que tout ce que tu me disais. Ah, c'est pas possible, je pense. Si. Ah, et peut-être pas. Et ça, c'est le boss. Petite arme prudente. Ah, j'en ai sauvé deux. Ouais. Tu as été formidable. C'est le 2. Ouais, oh, il y en a moins. Ah, ouais, c'est un petit niveau. Il y en a vachement moins, ouais. Ok, c'est pour ça que du coup c'est moins long que prévu, parce que les niveaux raccourcissent. Et toujours lui, bah lui ça va être le encore petit toi, boss. Encore toi, tu es venu te faire éjecter. Oh là. Ok. Ah. Oh, mince. Oh, c'est bon, yes. Ouais, je loupe ça. Ouh. Punaise. T'as eu chaud. Ouais. GG. C'est des ennemis qui se transforment. Que dis-tu de ceci? Ah, ils vont tomber. Ah, ah. Attends, ah. Il y a quelqu'un dans un tableau. Ouais, mais va au bord à droite. Ah non. Ah ok, d'accord. Ah oui, il est là. Bon, c'est pas grave. Ah, là, il y a un... Ouais, je sais. Ok, ok. De toute façon, je pense pas que le 100% soit très utile. Après, peut-être que je me trompe, j'espère que je me trompe. Bah oui, oui. Enfin, je sais pas du tout, là, pour le coup. Ah. Il va falloir que tu les aies tous. Bah, c'est normal, ça va de l'heure. Donc, là, au moins, tu vois, tu te dis, ok, faut que je les aie. Ah. Ah, j'en ai loupé un.
Ah non, même pas. Ah non, c'était pas un tableau important, là. Il y a quelqu'un sur le tableau. Bah, ah oui. Si, le ruban. Ah, le ruban. Ah oui, ça devait être ça. Le ruban. Ok. Ok, je trouve c'est ça relou, un... hein. Non, mais je trouve ça un peu nul, parce que tu peux pas sauter et taper, et en fait, tu tapes trop haut et tapes pas en dessous. C'est-à-dire que quand tu fais ça, bah, ça tape pas du tout en dessous. Ah oui. Tu es une enquiquineuse. Tu vois, en fait, tu tapes pas en dessous du tout. En fait, la hitbox, c'est vraiment... Tout droit. Ouais. Ah oui, en ouais, fait, okay. Moi, je veux sauter, oui, tu pour, veux sauter pour faire du skill et tout. Ça sert à rien. Ah. Ok, donc... je... T'as dû en louper un hein, quelque part. Ok. Peut-être un ennemi ou un truc comme ça. Des ennemis ? Il fallait tous les avoir, ceux qui venaient sur toi, là ? Ça suffit, c'est maintenant. Bah, du coup, c'est le boss, là. Il était juste d'accord, celui-là, du coup. Oh, les pénis. Alors, on va se transformer, là. Mais pourquoi t'avais un sabre, genre, comme un sabre de pirate ? Bah ouais, c'était ça, alors. Faut regarder par rapport à l'étage en dessous. Donc là, il va venir. Ganondorf. Dans Ocarina of Time. Ouais. Il va falloir faire une esquive à un moment. Ah oui. Ouais, c'est ça. Faut rester devant et... Ok. Ah, faut sauter. Sauter et le taper. Ouais, faut sauter. Faut... Okay. Ouais, j'ai appuyé sur une esquive normale. Et là, il va sortir du... Ah non. Je pense que c'est pas... Au moins, il y a des mini-boss. Différents. Ouais, au moins, les mini-boss sont très bien minimum. Ouf. En fait, tu tapes tout oui, droit. Alors qu'il vient d'au-dessus. Non, c'est non mais logique. Ouais, en fait, il faut juste taper tout droit. Est-ce qu'il y en a un qui aura un... Une étincelle. Trois fois deux. Ok, ouais, je pense que ça va être trois. Ouais. Ok. Je pense que l'étincelle, c'est à la fin. Bah c'est le pouvoir le plus facile pour le coup, l'épéiste. Ouais, parce que t'as juste appuyé sur ouais. A et B. Oui. Tout. Bravo. On vient de sauver. Noble épéiste. Donc c'était l'épée en fait. Ouais. Ok. Tu as été époustouflante. Bonjour de l'épée. Ça va, ça va. Et puis le ruban. Et le ruban, le tableau, mais on sait mais que c'était quoi. En vrai, t'as envie de sauter. Et oui, pour pas faire sauter, un... faut rester au sol. Oui, et taper, c'est ça, taper, c'est taper. Ça, exactement. Ouais, bah faut juste le savoir et puis c'est bon. C'est ça. Donc pour l'épée, hop, let's go. Ah oui, si en fait c'est une épée... Ah ouais. J'avais pas vu que c'était cette épée-là au début. Ouais, mais moi, donc en fait, à chaque sabre. Étage, on va avoir des pouvoirs qu'on a déjà eu. Alors, mais je pense, ouais. Tu penses que le prochain va y avoir deux ou trois pouvoirs qu'on a déjà. Oui, c'est possible. Merci, nous avons pas trouvé l'étincelliste épéiste, mais la pièce semble être devenue normale. Oh. Tu viens plus fort. Ah, c'est l'étincelliste épéiste. Oh. C'était... Ah, l'étincelliste épéiste. Il paraît que les esprits d'étincellistes sont confiés aux acteurs qui tiennent les premiers rôles. Ok. C'est le formidable pitch, ça veut dire que tu es animé par l'esprit de l'épéiste. Ouais. Et ça fait quoi? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je pense que c'est plus pour dire que... On dirait que ça vient du sous-sol. Allons voir. Ah, moi, faut que je ah, finisse au niveau, pas là. Wesh. On doit y aller. Ah, d'accord. J'ai réussi à faire deux épéistes. Du coup, je peux ouvrir une porte. En fait, il faut faire deux fois un pouvoir, je pense, pour débloquer la ah, porte. Ah oui, d'accord. Qui... Et du coup, c'est le défi de l'épéiste. Ah, c'est le troisième monde d'épéiste, alors. Ça se trouve, il n'y a pas tant d'étages que ça, ah, en fait. Ah, c'est bizarre. Il n'y avait rien de tel au sous-sol avant. Je parie qu'on peut voir de nouvelles choses parce qu'on t'a confié l'esprit de l'épéiste. Oh, ouais. Et du coup, c'est lui, c'est l'acteur. Ah, et... c'est les. Ouais, c'est ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ah, faut sauver et on va libérer. Chaque pouvoir. La voix vient de là. Allons-y tout de suite. Ah, ok. Hein? Ce décor est vraiment bizarre. Ça ne peut pas être une de nos pièces. Bah, c'est là où s'emprisonner les esprits. Peach, avançons prudemment. Faut pas que tu détruises au-dessus? Si, je voulais faire, mais je suis tombé. Ah, oui. Ah. Un cœur. Ah. Presque. Du coup, c'est un monde.
Je pense que c'est le monde 3 de l'épée. Non. Est-ce qu'il y a des... On va voir. Est-ce qu'il y a des... Ah ouais. Ok. Ah ouais, ah, c'est il y en a un peu, c'est 5. Un petit monde quoi. Donc c'est le monde d'épée. 3. On va voir. Aucune idée. On découvre, hein, bien on évidemment. On découvre, ouais. Ah, il y en a un là derrière. C'est pas des esprits là, c'est. Non, eux. Ça c'est eux, ouais. 2. Ah, c'est bizarre qu'ils te coupent dans un monde et. Ouais, c'est chelou. Ouais, c'est chelou, ouais. Ok, pas mal d'ennemis. Ok. Ah, yes. Ouais, c'est pas moi qui ai fait la peau, je me suis dit qu'est-ce que c'est. Ah, je casse des épées carrément. Mais je voulais pas aller là. Oh, secours! Oh, secours! Ah, le ruban. Donc c'est vraiment un monde. Ouais. Je ne suis plus écorcé, enfin! Ok. Ouais, pour le coup, les étoiles, elles sont vraiment. Là, elles sont vraiment, vraiment faciles. Pas ouais, là, pour le coup, c'était assez facile. Là, t'as un chemin. Elle tout brille, droit. Tu le vois. Ok, c'est un boss alors, il va être possédé, il va falloir l'affronter. C'est l'étincelliste épéiste. Ne t'en fais pas, on va te sauver. Ce costume, qui es-tu? Et là, c'est Stella? Attention, cet endroit est maudit. Ok, donc il y a un boss. Ok, stylé. Bah, stylé. Pour Dame Syra, je te vaincrai. Ok. Pas mal. Très bien. Ok. Faut attendre qu'il fasse comme sa première attaque, non? Ah mais non, ok. Faut aller faire plusieurs fois. Ah oui. Excellent. Excellent. Et là, toi, du coup, troisième fois, tu peux... Il faut esquiver plusieurs fois. Oh! Il a feinté. Ouais. Voilà! C'est marrant. C'est joli, en tout cas. Ouais, c'est très joli. L'univers est très, très joli. Du coup, qu'est-ce qui va se passer, alors? Du coup, il est habillé comme toi. Merci, tu m'as sauvé. Nous devons nous échapper. Ah. Il revient. Oh. Ah bah oui. Comme c'est lui, il est un céliste, il est super fort. Une attaque sur quel coureur dirige, je le bloque, frappe au bon moment. C'est marrant. C'est marrant, du ouais. T'es un acolyte C'était monde 3, ouais, de l'épée. Ok, donc il y a... En fait, ouais, il y a... Je pense qu'on donc il n'y a pas d'autre étage. Si, mais... Ruban pour Stella obtenu. Il n'y aura plus du tout l'épée, je pense. C'est fini avec l'épée. Ah oui, c'est fini avec l'épée. À suivre. Ah, ruban pour Stella. Ah, c'est pour ça que c'est des rubans différents, visuellement. C'est des ah, rubans oui. pour Stella. Du coup, elle devient bleue. On a sauvé la porte. C'est ça. Quand je pense qu'ils ont créé des scènes pour y enfermer les étincellistes, ça veut sûrement dire qu'en rétablissant leurs pièces, on pourra sauver les autres étincellistes. Merci de m'avoir sauvé, ces brigands m'ont dérobé mes pouvoirs, puis ils m'ont enfermé. Je vais reprendre mon rôle et protéger les autres, tu as toute ma gratitude, merci. Du coup, dès qu'on aura fait deux fois la pâtissière, deux bah, fois je pense la... qu'on aura, ouais, direct. Retournons au premier étage. Ok. Et du coup, deuxième étage, il nous manque ça à faire. Je vais juste voir la garde-robe quand même de Stella, parce que c'est le premier déguisement autre qu'on a.
Oh, c'est pas mal. Du coup, c'est aux couleurs de l'épéiste. Ouais. Étincelliste, épéiste. Rouge et bleu. Alors, infiltration parfaite, tu veux le faire? Ouais, vas-y. C'est un nouveau pouvoir. Ok, donc là, t'as pas de... Là, pour l'instant, je suis pas déguisée. Parce que c'est un nouveau pouvoir. Regarde toutes ces affiches bizarres. Je me demande ce qui se passe, à me voir. C'est Peach masqué. Et donc, j'ai un nouveau ruban. Ah ouais! Carrément, le ruban change de couleur. Bien joué. Là, j'ai rien à faire, je pense, hein. Un truc qui est par terre, là? Non. Ok. Ah! Une vraie plaie, c'est bandit magnifique. Prends garde à toi. Hein? Mais que se passe-t-il? Encore eux! Ce sont des bandits magnifiques! Il faut qu'on aille à la bijouterie. Ok, donc c'est sorte de boîte aux lettres. Ouais. Ils ont dérobé les bijoux. Bande de vauriens! Nos beaux bijoux! J'aurais dû faire attention. Ils viennent pas? Ah si. Attends, ah, tu vas trop vite, je pense. Oui. Tu veux pas du tout aller là-dedans? Non, mais y a peut-être rien. Ok. Je pense que ça va être le pouvoir avec un masque. Oui, moi aussi, ouais. C'est quoi les moves et qu'est-ce qu'il va falloir faire, en fait? Je dirais pour l'instant, le pouvoir le plus... Ah. Le Mieux, plus sympa ouais. à jouer. Oh, t'es obligé d'aller en bas. En bas? Ouais. La lumière? Je suis sûr que... Ah oui. Ah, la lumière bleue, ça les... Carrément, ça les désactive, quoi. Ça les désactive. Du coup, je reviens en haut? Non, parce qu'il n'y a pas de lumière. Okay. Là, j'aime bien le ninja. Ninja, ouais, c'était cool. Il était vraiment cool. Le détective est marrant aussi. Donc là, je peux rien faire. Non. Il y a une clé, là. Tu peux monter, déjà. Waouh! Tu as réussi à passer malgré les gardes. On pourrait mettre ce talent en pratique. Là, c'est New York. Oui, c'est un peu ça, ouais. Si tu veux bien me suivre. Je peux pas monter, de toute façon. Mais au fond, va tout au fond déjà pour voir. Au fond. Ah! Voilà. Parce que à chaque fois, on veut récupérer son trésor. Ouais! Ah, okay. Le ruban! Donc là, c'est une tenue pour Peach. Merci pour ton aide, jeune fille. Donc c'est bon. Bah GG parce que j'aurais peut-être pas été en haut au fond. Par ici. Je le suis. Il a tout à la porte. Nous y sommes. On va voir si j'ai vu juste. Oui, tu es sûrement celle qu'il nous faut. Bienvenue dans notre société secrète. Et c'était ça? Ah. Faut que je les mette au milieu? Non, ah non, c'est bon, ça fait tout seul. Peach justicière. Ah yes! Peach justicière. Tu penses? Genre Zorro quoi. Genre Batman quoi. Aussi. New York, un masque. Doit aider. On va voir. Voleuse. Ok. Ok. Trop stylé. Drone de soutien activé. Tout est au-dessus. Ah oui, d'accord. Faut que je m'accroche aux poulies. Tu dois infiltrer leur bâtiment, on te soutiendra au mieux qu'on peut. C'est Iron Coon. C'est énorme, c'est Iron Coon. Oh, c'est trop beau. Accroche-toi dessus. Oh, c'est trop stylé. Ça a l'air d'être stylé, ouais. Ok. Comment je fais pour... Vers le bas.
Ah oui, d'accord. On va tuer. C'est ça qu'il faut... C'est pas trop descendu? Trop tard. Tu penses? Ah, je pense que... Non, ah, tu m'as plus accroché. Ouais. Ok. Bah, j'ai eu le truc, je pense que c'est bon. Avec la petite musique genre infiltration. Ouais, c'est marrant. Ok. Vas-y, va devant, va devant. Le truc là-bas. Ah ouais? Faut déverrouiller. Tu caracles le truc. Ok. Va de l'autre côté parce que je pense que la caméra... Ah non, tu peux aller à droite, je pense. Ah oui, d'accord. Je pense que la caméra, ça Ah oui, la caméra, ça me mettait au début. Bah, je pense, hein. Foutez dessus. Ah voilà. Ouf. Ah mince. Ah. Je suis dans la lumière, en fait. Non, mais faut que t'ailles... Ah oui. Attends, remonte. Voilà. Ok. Va au-dessus. Ah oui, il faut que tu fasses gaffe à ça. Et accroche-toi à ça. Saute en dessous, là, saute en dessous. Ouais. Ok, GG. Où est le secret? Tu penses que c'est secret, hein? Tape le truc. T'aurais dû taper. Ouais, c'était bien ça. Prends, tu passes derrière. Tape-le. Ah oui, c'est bon. Tu peux le taper. Ah, t'aurais pu tous les désactiver. Ouais. Et là, tu peux revenir en arrière. Non, là... reviens. Ça, c'est la fin. Ah, mais je peux plus remonter. Ouais. Oui, je pense pas que t'aies loupé les trucs. Je pense tu pas non peut-être plus. Pas passer tant que t'avais ça, ça se trouve. Faut que tu pirates le truc. Vite, ça va se réactiver vite. Ah oui, mince. Ah non, pas ceux-là. Arrête, il va juste passer au-dessus. Ouais. Et fais gaffe, tu vas tomber. Non, c'est bon. Ok. Ah, c'est bon. Aïe, quand même, hein. Ok, je peux faire pas là-haut. Non. Et à gauche, c'est quoi? Ouais. C'est la pause? Ah oui, il n'y a pas eu de pause. Après, on a le ruban. C'est la pause, si tu m'assures, non? Ouais, c'est une pause. Mince, t'en avais une autre avant. Ah mince. Ah, ça vaut le coup. Ah ouais, d'accord. C'était que des pièces. Au-dessus. Ok. Allons voir là. Ah, faut que t'ailles en haut. Faut que t'ailles t'accrocher. Ok. Faut que tu... Ah oui, donc récupère déjà les points là. Non, vas-y. Va là, vite. Non, sur le bleu. Trop tard. Ouais, bon, ça passe. Okay. Retourne sur le truc, ouais, comme ça. Et là. Reste là, attends. Alors, remonte là-haut. On ouvre le coffre-fort. Trois cœurs. Tous les bijoux. Trois cœurs, c'est-à-dire qu'il y a un boss, non? Et c'est bon? Tu as réussi, tu as récupéré tous les bijoux. Oh oh. Et maintenant, il faut t'échapper. Shoot-les, tu peux les jeter. Je sais pas si ça sert à quelque chose, mais... Et ils reviennent après, ok. Fais gaffe à rien louper, quand même. Ouais. Tu veux faire? Non, vas-y. Oh. Ça va monter. Ah, ça va monter, ok. Fais gaffe à pas louper les... Au-dessus. Ouais. Va. Jaune à droite. Au-dessus. Encore. Deux fois de suite. Voilà. Okay. GG. J'ai l'impression d'avoir loupé un truc. Ah, j'en ai loupé une tout à l'heure. Vas-y, à droite, à droite. Ok. C'était bien, ça rend cool. C'était très très bien, c'était très long. Plein de trucs à trouver. Faut que je continue?
Je pense qu'il faut que je les évite, hein. Oh! C'est pas grave, c'est pas grave. Ça va te manquer. C'est marrant. C'est pas mal. Ouais, hein. C'est marrant. Franchement, les univers, c'est vraiment c'est genre ouf. Une sorte de dessin animé avec interactif. Quoi. Ça fait un peu ça. Thank you. Thank you. J'en ai coupé deux. Ouais. Et j'ai le ruban quand même. Ouais. Du coup, t'as le déco. Ah ouais. Voleuse, ouais. Ouais, mais elles sont pas top les robes qui donnent, je trouve. Mais ça aurait été bien de changer de tenue. De vraiment de tenue. Et pas avoir que la robe rose. Ouais, genre pouvoir se mettre dans ce style-là en dehors. Ouais, en fait. Voilà. Oui, c'est oui. Ça. Qu'est-ce que ça va être comme boss cette fois-ci? Le premier, c'était version disco. Ouais, il faut lui donner des gemmes. Très bien, ouvrons tiens. Cette porte. 10, 15, ok. Ah bah c'est... Ah bah c'est Syrah. Ok. Tiens, tiens, mais ce sont les petites vermines qui, mortes de peur, courent dans tous les sens dans mon théâtre? Que pensez-vous de mes mises en scène? Le spectacle est-il terrifiant à souhait? Ah, pas la peine de répondre. Alors, comme ça, il paraît que vous semez la pagaille. On m'a aussi dit que vous avez libéré une étincelliste alors que je m'étais donné tant de peine pour l'emprisonner. Vos efforts sont mignons tout pleins, toutefois ce n'est pas une misérable petite étincelliste qui changera quoi que ce soit. Reptoflash, occupe-toi de ces indésirables, je voudrais juger de leur jeu. Reptoflash, c'est un Pokémon? Ouais. Ah oui, c'est un serpent. Serpent, mais Flash. Qui fait de la lumière, je pense. Il y a des projecteurs. Reptoflash. Il va falloir désactiver sa lumière. C'est quoi, du coup, le pouvoir? Il n'a pas? Ouais, j'en ai pas. Ah oui, dès qu'il te voit, il te fait revenir en arrière. Ok. C'est marrant. Ah, c'est marrant, ouais, c'est pas mal. C'est original. Ah, t'as réussi à contrer son truc. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, je voulais faire un truc, c'est bizarre. Ah bah du coup, ça... Ah, là-bas, par contre. Ouais, en bas. C'est la première fois que j'ai loupé un truc. Ah oui, tu penses que t'as loupé un truc en dessous? Non, 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 je faut juste pas. Monter non, non. Et... Pourquoi ça brille comme ça en fait? Mais c'est parce que t'as un projecteur sur toi. Je vais jouer un peu bourrin en fait. Ouais, un petit peu. Oui, parce que du coup, comme il te voit plus, ouais. Ça passe. Mince. Ouais, c'était un petit peu bourrin. Hein. Si, si, si. Ça passe. La technique. Ok, et du coup, trois fois. Mmh. Ils sont marrants les boss. Bah en fait c'est tout est sur le gameplay. En fait. Ouais. Ah, il détruit les trucs carrément. Si tu vas comme un bourrin, je pense que ça passe en vrai. Là vas-y. Thank you.
GG. Ah, c'était pas la bonne. Ah. Tu es juste embêté. Yes. Pas mal. Et le coup final. Bravo. Ouais, c'est stylé quand même. Du coup, la porte a disparu et ouais. L'étage est rénové avec les petits drapeaux qui se transforment aux couleurs du théâtre. Et non pas des méchants de Syrah. Bah oui, il faut. Victoire. Donc là-haut... Alors, c'est Syrah qui a fait tout ce bazar dans notre superbe théâtre. Avec sa bande, elle gâche toutes nos pièces. C'est terrible, je ne peux pas la laisser faire. On ne peut pas les laisser mettre la pagaille comme ça. Sauvons le plus vite possible. Let's go. Il y a Cowboy qui revient. Bah, ouais. Je vais le faire si tu veux, parce que tu l'avais fait. Ça c'est une karaté, c'est Kung Fu. Si je ne me trompe pas, il y a Pâtissier qui revient. Et Sirène. Ok. Bah fait Cowboy, je fais pâtissière. Ok. Et on se partage. Ah, mais du coup, on est directement avec les tarcelles. Ah oui, en Cowboy, comme avec l'épée. Du coup, ça veut dire qu'on va devoir aller sauver le oui, Cowboy. C'est ça. Que se passe-t-il là? Oh, c'est un train. Yahoo! Il a tout détruit du coup. Non mais non! Ils vont saccager toute la ville! On ne peut rien faire contre eux! Pif. Ah! Tu reviens en cheval! Allez, go! Je suis sûr que c'est le Jolly Jumper. Faut éviter, c'est ça. Faut les attraper? Au fond, devant, je te dis s'il y a un... Ah, il y a peut-être un truc là. Non. Ok. Ok. Je suis allé en bas, je me suis dit, je sais pas où je dois aller. Ah, là. GG, première. Ah, je me suis dit, je vais aller en bas. Bah, t'as de la chance, hein, franchement. Au fond, devant... On va raser la ville. Mince. Ok, je te dis s'il y a un truc. Tire ralenti. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Good. C'est la deuxième. Deuxième. Il y a une rampe plus loin, certain pour sauter. Sur le train. Ouais, là, c'est en marrant. Version course-poursuite. Elle est sur le train! Oula! Mince. Troisième, parfait. Qu'est-ce que je peux bien faire? Oh! Te voilà! On va percuter la prochaine ville! Il faut que tu arrêtes le train et vite! GG. Tu penses que c'est un truc? Je sais pas. Je pense, ouais. Ah, c'est le jeu que t'avais oui, fait? Oui, oui, oui. C'est bon. Merci de nous avoir sauvés. Ah oui, quand même. C'était un beau truc, donc t'as bien fait. Ok. Donc les deuxièmes niveaux des mêmes pouvoirs sont, oui, plus, sont courts, plus courts. Vu que t'as pas à aller chercher l'étincelle. Ah ouais, bravo. Ah, j'ai même pas vu lui. J'avais vu la lumière, mais j'avais pas vu lui. Ah, punaise. Ok. Je vais faire tomber le truc. Tu passeras pas. Je vais faire tomber tout le truc, regarde. C'est ça. Yeah. Pas mal. Ok. Ok. Ah.
Dommage. Ouais, ça va pas. Le tir automatique. Ouais, donc il faut absolument... C'est le dernier que t'avais. Donc, fallait faire... fallait se dépêcher. Je trouve assez fluide le gameplay avec le lasso. Ouais, c'est pas mal. Okay. GG, plus qu'une. T'es sacrément collante, puisque c'est comme ça. Et de nouveau avec le cheval. Ce brave cheval nous a suivis. Ok. Oh, c'est vraiment un dessin animé. Ouais, c'est ça, ouais, c'est un ouf. Petit dessin animé, ouais, tout le temps, c'est marrant. Ok. Je peux pas, ok, ça je peux. Joli. Sorte de boss du coup. Ah, tu peux attraper les ronds. Bon, et bien si je dois partir, je t'emmène avec moi. Pour éviter ça. Oui, pour éviter que le train se fonde dedans. Et lui, il se prend tous les rochers. Et paf, le train. Bah, genre... Ah. Avec un lasso, wesh. Non, mais bientôt, sur vos écrans, les aventures de Peach. Ouais, c'est un peu ça. Bravo. Ouais, c'est mignon. C'est, ouais, ça fait vraiment un petit épisode de dessin. Oui, oui, oui. Thank you. Et du coup, on a tout. Et donc, va falloir aller sauver... Ah, ruban pour Stella. Peach pâtissière. Alors... Ah, oh, c'est, ouais, c'est pour Halloween. Ah, on a réalisé une fête pour Halloween. Qu'est-ce qui se passe? Allons voir ça. Dégustez vos nos délicieux biscuits d'Halloween. Youpi, j'ai trop hâte. Je pense qu'ils sont empoisonnés. Ouais, ils vont me transformer. Ils vont être possédés. Ouais, je pense. Des gâteaux, j'en veux. Gâteaux, gâteaux. Ils mangent tout. Je pense qu'il faut les soigner. Vas-y, tape. Ah non, tu peux pas. Bah non, je peux pas. Je peux rien faire. Ils vont tout dévorer. Si seulement on avait des biscuits spéciaux. Ah, hé. Hey. Aide-moi à les faire revenir à normal. C'est bon, j'arrive. Alors, ils viennent par ici. Ils viennent par ici. Faut que tu fasses des gâteaux. Il est de la droite à gauche, je pense. Ah, faut que tu fasses un giga gâteau. Ouais. Si les gâteaux rendent les gens heureux... Ils pourraient aussi les rendre normaux. On va les faire, on va les retenir, fais de ton mieux. Faut que j'appuie sur quoi déjà, B? Ouais. Décoration est terminée. C'est un éclair. Ouais. Ah, c'est marrant. Faut que t'en fasses un paquet, hein. 3 points. Ah, c'est des petits gâteaux aussi. Pour l'instant, ça va. T'as pas l'air d'avoir du temps, de toute façon. Tu penses? Ouais. Une ligne de chaque côté. Ok. Ah, il faut que j'en fasse 4 encore. Ouais. Ok. Oula. Attends, faut que tu partes du milieu et que tu fasses un truc. Ah. Non, tu devrais... Ils sont en train de péter un truc. Ouais. Oh là. Ouais, ça marchait ou pas? J'ai eu le temps? Ah, parce que t'as trop loupé. Ah, j'ai trop loupé, tu t'as mis trop par... T'en as mis par terre. Ah oui. La crème. Du coup, ça les a énervés. Bah, je pense, ouais. Oh, sourire. C'est le bonhomme qui... Oh. Mais c'est... C'est un luma d'harmonie. C'est Stella. Ah oui, c'est Stella, peut-être. Ouais. Ok. Bah, tiens, tiens.
Bah, je dirais que c'est le mon pouvoir dans ce qu'on avait pour l'instant. Ouais, oui. En fait, c'est, j'ai pas fini tout à l'heure, j'ai dit le meilleur pouvoir. Bah, Ninja, si j'ai dit, mais j'ai pas dit le moins ouf. Après, le gameplay, en fait, ça fait vraiment mini-jeu. Là, ça va, oui, là, ça fait vraiment mini-jeu, ouais. Et du coup, un troisième ou pas? Ils sont tous revenus à la normale grâce à toi. Mais t'avais pas de jauge comme la dernière fois. Oui, donc il y avait pas de... Moi, il y avait pas de vitesse, donc j'y allais tranquillement, en fait. Merci de ton aide. Donc tout le monde est content. Donc là, je peux aller là. Ah, peut-être, ouais. Ruban. Ah. On veut des gâteaux. Oui, taille. Comment je fais le gâteau? De côté ou pas? Ah oui. Non, non, non. Ah si, si. Attends, pardon. Ah si, ouais, c'est bon. Ah, tu pouvais le refaire? Oui, je peux le refaire. Tu veux que je le refasse? Non, 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 c'est bon. Ok. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Ah, gâteau. Bah celui-là, là, faut que tu montes. Quoi? Peut-être du TP. Ah oui, parce qu'il a pas réussi lui. Je voulais pas aller trop vite. Fallait faire les pépites de chocolat. Faut que t'en fasses pour ceux à gauche. Vas-y, 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 vas-y. Voilà. Ils sont mignons. Ok. Ouais. C'est bien un truc. Donc là, tu veux passer. Ok. Gâteau, gâteau, ah, c'est le même j'ai mini-jeu. Faim. Ils arrivent en horde, c'est terrible. Ouh là là. Je vais pas y arriver. Donc là, t'as un timer. Le plus de biscuits possible. Dépêche-toi ou on va se faire déborder. C'est B, hein. Ouais, tu sais, clac, 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 il y a les pépites de chocolat. Voilà. Tu mets derrière B, au fond. Non, non, oh, ah oui. Ah, sur, ah oui, d'accord, ok. J'aurais pensé qu'il fallait mettre au milieu. Oui, oui, moi aussi, mais... Donne à droite, sinon ils vont casser le truc. Ah, il t'aide, fais gaffe, ça va vite. GG. Ok, à gauche. À droite, il y en a plus. Je pense qu'il faut faire par rapport à là où il y a plus de joueurs. Hooray! J'ai, bah juste derrière toi, ils sont en train de casser le truc. Ah oui, ça va tout se transformer là. Ok. Vite, 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 faut que tu fasses celui du milieu. Non! À droite, à droite, à droite, à droite. Ça s'en donne plus. Ok. Ouais! C'est une seconde. Une seconde, ouais. C'était tout pile. Ouais, parfait. Ah oui, 3 étoiles quand même. Et plus qu'une. Oui, il y a avoir ça aussi en mini-jeu. Merci d'avoir fait tous ces biscuits géniaux. Ils sont revenus à la normale grâce à toi. Pardon d'avoir dévalisé les gâteaux. La fête a recommencé, tu devrais y aller. Et bah go à la fête alors. Écoutez tous, venez ici. C'est le dernier truc. Ils sont encore tous dans cet état. Aide-nous encore s'il te plaît. Ouais, si tu veux faire un J et gâteau, ouais, je pense. Ouais. C'est la fin. J'ai mis ma dernière petite étoile. J'en ai plus une à la fin. Quoi? Ok, peut-être un truc, tu sais, qui fait ta pause là. Ok, ok. Bon, on va rester sur le pâtissier alors. Allez, vas-y. Je sais pas où il est l'autre, il doit être à droite. À droite, peut-être. On va aller sauver l'étincelle. L'étincelliste de la pâtisserie. Allez. Ici aussi, tout est bizarre. Essayons de trouver l'étincelliste. Du coup, c'est un mini-niveau.
Je veux manger les meilleurs biscuits. Bande de noobs. GG. Ils vont te donner quoi, le petit... La première. Ok, le premier. Ok. En fait, c'est plein de petits trucs à la suite. L'étincelliste pâtissière est là. Bonjour. Bienvenue dans la scène pâtissière de Dame Syrah. Dame Syrah? Mais qu'est-ce qu'il y aura au juste? Nous allons faire des gâteaux ensemble. Ok, je suppose qu'il faut que t'ailles là-bas. Elle se comporte bizarrement, il faut vraiment qu'on la rattrape. Oui, tu le donnes à qui? Tu peux pas aller à droite? Ah non. Je croyais. Ruban! Fait! Alors... Ah! C'est un combat. Je t'attendais. C'est un combat des pâtissiers. Ouais. Nous allons faire un gâteau. À trois étages avec un personnage. Le premier à terminer son gâteau l'emporte. Oh, c'est marrant sur le gâteau. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Bien joué. C'est dans le clore de qui, ça? Bah, Peach. Ma concurrente est rapide, mais j'ai l'habitude de la pression en cuisine. Ok, c'est chaud. Oh, pff, je vais trop loin. C'est trop dur. T'as rattrapé le coup, hein, mais c'était compliqué. C'était pas top, hein. C'était pas top, hein. Bah, c'est Peach pâtissière. Mais la concurrente a terminé le deuxième étage. Ce n'est rien, je vais redoubler de vitesse. Là, non. Ah non. Les yeux, voilà. Waouh. Bravo. Et du coup, c'est elle. Ah oui, c'est elle qui normalement est comme ça. Ah! Ma concurrente a terminé son gâteau, la gagnante de ce concours n'est autre que... Peach! J'y crois pas, c'est impossible! Il est beau, mais il est sûrement mauvais. Bah, manger en normal. Bah oui, bah oui. Délicieux. C'est exquis, cette saveur est incroyable. Quoi? Ah, si tu faisais un gâteau mauvais, c'était... Ben, ah oui. Ah, je sais pas, je me sens radouci par ce goût sucré. L'étincelliste a repris ses esprits. Ouf. Allons, sortons d'ici. Non mais où croyez-vous aller? Nous avons des gâteaux à faire. Je crois qu'on peut sortir par là. Ouais. J'irai pas, moi. Notre sortie! Bienvenue dans mon arène pâtissière. Je ne vous laisserai pas vous échapper si facilement. Nous allons faire un concours. Je promets de vous laisser partir si vous me battez. On n'a pas vraiment le choix, on dirait. Mais on y arrivera en travaillant ensemble. Nous verrons bien qui est le meilleur. Les premiers à remplir ces assiettes à gagner. À présent... Ah
d'un fouet. Vas-y, vas-y. Bravo. Elle en fait beaucoup plus. Ah, mais du coup, elle remplit. Ah, d'accord. Ah, t'avais pas rempli l'assiette, en fait. Yay. Ok. Oui, c'est beaucoup mieux avec elle, du coup. Oui, faut juste aller la chercher, en fait. Bravo. Good. Good, normalement, c'est bon. T'as gagné le concours. Et la dernière, du coup, c'est quoi? Tiens ta promesse et laisse-nous partir. Ah non, alors, on s'en fiche de la vitesse. Je suis sûre que vos cadeaux sont fades. Gâteaux, biscuits sont fades. C'est ça, et puis ouais, t'as mal manger. Oui. Dans ce cas... Ok. Je te propose de goûter notre biscuit spécial. Ah, c'est lui, il faut pas que tu loupes. Ouais. Disparition. Ok, bravo. Ouais, c'est mignon. Après, le pouvoir, il est vraiment répétitif. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, on ne jouera plus avec Peach Pâtissière, sauf si elle est au boss de fin. Ah oui, tu penses que si le boss de fin... Ah oui, ouais. Mars. Multicolore pâtissière. Un mélange de pouvoir. Ouais. De transformation. Ce cheval a l'air paniqué, il se passe forcément quelque chose de grave. Quand le train. Bon, je te préviens, je vais tout louper, moi. On dirait oui, bien que ton, mon temps est compté. Oh non, nous devons aller sauver l'étincelliste. Les larcellistes. L'étincelliste. Les larcellistes. Les larcellistes. Ok, je peux y aller partout. T'es dessus ou t'es dessus? Descends, descends, descends. Mais je suis en train de regarder partout pour voir s'il joue pas un truc et du coup je fais n'importe quoi. Tu vas le sauver, tu vas le sauver. Ou t'es sur les rails, sur les rails, sur les rails. Au milieu. Ah non? Si, au milieu, au milieu. Ah non. Non. Vite! T'es au milieu, pour le sauver. Vas-y. C'est bon. Ouais! Deuxième. Merci, j'ai bien cru que j'allais y rester. Nous trouvons un moyen de sortir. À notre retour, c'est tournée générale de lait. Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? On va pas pouvoir passer par là. Il nous faut un plan. Mais au fait, où est passé ton cheval? Il veut sauter? Non, non, mais... Ah! Il veut peut-être sauter. Il a l'air impatient de partir, dis donc. Je tiens les rênes, toi, monte derrière. Oh là là, ça fait peur. Vas-y, shoot-les, shoot-les. Ah, les jambes, il y a des jambes, il y a des jambes. Quoi? J'ai eu? Ah, oui, j'ai vu. Oh! Mais à quel moment? Vas-y, zap, tap, 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 il est devant toi. Ah, mais mince. Mais à quel moment? Entre le moment où... Attention, il se casse derrière, il se casse derrière. Ah oui, d'accord, faut que je me mette devant. Saute. Il y a une pièce à l'intérieur. Mais... Tu veux un truc?
Ah oui. Il y a le ruban en bas. Comment je l'attrape? Vas-y, saute, va au-dessus déjà. Il faut que tu regardes en arrière. Il faut que t'ailles là, tu fais ça, tu le vois en face. Oui. Et tu tapes en arrière. Mais non, mais sans tomber. J'ai le ruban! Ça marche ou pas? Je pense pas. Prends le cœur avant. Allez, c'est bon. Ok. Oh bah. Il y a un cœur. On a réussi! Direction la sortie, vite! Ça fait voir le boss. C'est le train, le boss? Je pense qu'il va se casser. T'as pas réussi. Ah oui, ok, d'accord. J'ai du temps. Ah oui, du coup, j'ai perdu la gemme. T'as pas eu la gemme du tout. On a réussi, mais j'ai pas eu la gemme. Non. Bon, moi, j'ai le ruban. Allez, Kung Fu Panda. Vendu. Attends, c'est un truc d'invasion d'alien? Ouais. Mission c'est héroïque, invasion alien. C'est peut-être pas Kung Fu, c'est peut-être, ah, c'est, super héros. C'est peut-être des super-héros. Parce que je crois qu'il y a un pouvoir super-héros. Ah ouais? Ouais, tu vois. C'est passé quoi, là? On va aussi se faire enlever, on fera mieux d'aller se cacher. Il faut qu'on intervienne! Dépêche-toi! Donc là, c'est un nouveau pouvoir. Ouais, donc du coup, c'est long. Ouais. Du coup, les nouveaux pouvoirs sont longs à débloquer. Il y a des vaisseaux, des attaques d'aliens. Ouais. La rue. Tous aux abris. Oh. Ah. Tu l'as rendu content? Bah, genre au hasard ou... Ouais. C'est pour la voiture? Ah, là, au fond. Au fond. Mais c'était sûr. Bon, c'était que des pièces, mais bon. C'est toujours bien. Ok. Ah, tu as réussi. C'est tout. Il n'y a pas de bonus. Problème. Non, il doit y avoir autre chose. Bon, ouais, j'ai pas eu. C'est pas grave, c'est pas grave. Au feu! Deux, trois fois. Easy. Pas mal. Ah, c'est bon. Ah non. Deuxième, donc il y avait rien. On est arrêté. J'ai l'impression que c'est bon. Il n'y a pas de petits trucs qui brillent. Ils m'ont rien donné? Pas de trucs qui brillent. Je n'arrive pas à joindre les bureaux. C'est des pièces. Ah, il y a le petit bonhomme. Oh, GG. Les bureaux sont en feu, il faut faire quelque chose. N'empêche, le sacré théâtre. Hein. Ouais. Il n'y a pas autant d'effets spéciaux normalement. C'est un docteur? C'est un scientifique? Ah oui, ouais, un peu. Merci, tu n'es pas ordinaire, dis-moi. L'étincelle. Nous allons tirer parti de tes talents. Super pitch, du coup. Je pense que c'est ça, ouais. J'ai vu quelques images, forcément, j'ai reprendre des images pour Emilia. Il t'a vu super pitch? Bah, j'ai vu quelques pouvoirs, je sais que j'ai vu Kung Fu, fait. Alors avec un... Ah oui, il y a un truc rouge en mode dojo là. Activer le système, bien reçu. Jeune fille, je crois que tu seras à la hauteur. Tu
T'as être super héroïne. Bah je pense hein. Bah super Peach. Super Peach. Super Peach. Peach Mecha. Peach Mecha. Bah non, super Peach. Power Rangers Peach. Astro Peach. Astro Peach. Peach super héroïne. Pour chercher compliqué. Tu es un symbole de justice. All Might. Va là-dedans. Y'a pas de truc qui brille, non. Super Peach. Aide-nous à l'aide. Mais est-ce que tu es... Oh là là. Peach super costaud. Je tourne, je tourne. D'accord. Devons nous mettre à l'abri. Bah allez vous mettre à l'abri. Protège-nous s'il te plaît. Allez, faut que je les aide. Ah oui. Non, reste à plat. Attends, j'ai envie de... Y'a pas de skill... C'est un jeu où il y a zéro skill. Voilà, c'est ça. Ouais, faut les sauver. Oui, c'est ça. Ah bah y'a là, à gauche. Ça, c'est du ski. Ouais. Ça, c'est pas mal. C'est la troisième. Yes, quatrième. Cinquième. Faut que tu le balances où? Bah, pour qu'il passe en dessous. Ah! Tu peux faire ça? Je pense que tu peux aller au fond, non? Ah, faut que tu le jettes à droite. Ah oui. Par contre, je pense que tu peux aller. Ouais. C'était sûr. C'était sûr. On l'a vu. On l'a vu. On a tout vu. Alors, qu'est-ce que ça va être la pause? C'est que des pièces. J'ai l'impression. Ouais. Que des pièces. Bon, après, c'est pas mal, les pièces aussi. Ça va te permettre d'acheter plein de trucs. C'est quoi ça? C'est un truc? Non. Non, c'est une lumière. Ah si, peut-être ça. Non. Non. Ok, il n'y a pas de lumière. C'est Didier Octave, là, Octopoule. C'est ça. Acquisition de spécimens. Faut que tu le tapes. Bravo. Tu as réussi! Acquisition de spécimens inévitable. Ah, c'est inévitable, non? Ah non, c'était... Je pense que ça passe. T'aurais pu ne pas réussir. Tu penses? Je sais pas. Ouais, peut-être. Ça se trouve. Allez, plus que 4 et le ruban, tu l'as pas eu. Si? Non. Ça, c'est peut-être le ruban. Est-ce qu'il faut sauver... Ok, c'est pas le ruban, mais c'est toujours bien. Peut-être louper le ruban. Hein. Peut-être. Peut-être. Ok. Merci! Ici, nous serons en sécurité. Ah, il va y avoir une sorte de boss. Ah.
C'était pas dommage. Prévu. Ouais. J'arrive en retard, désolé. J'ai ce qu'il faut pour ce genre de situation. Utilise cet appareil, dépêche-toi. Il y en aura à l'intérieur du truc. Non, en fait, on va avoir un vaisseau. Il y aura une phase vaisseau, je pense. Tu penses? Ouais, en fait. Genre Space Invader. Shooter là. Je sais plus comment ça s'appelle, ça, c'est bien. Ok, faut surtout avoir ce où il y en a. Tu peux pas retourner en arrière? J'ai pas l'impression. Ok. Oh! Oh, GG. Je sais plus, j'en rappelle plus. Alors, observe bien et mouvant ton adversaire contre ses attaques au bon moment avec B. Non. Appuyez sur B. Ah oui. Voilà. Ok. Ok. C'était plutôt rapide. Un space shooter, c'est ça? RT. Non. C'est pas ça. Bravo. Space shooter. T'as tout. Normalement, c'est. Quatrième et dernière. Niveau de cet étage. Dans cette pièce, on trouve surtout des sirènes, une cantatrice avec une voix magnifique et mais un concert a lieu aujourd'hui, on va pouvoir l'écouter chanter. Bon, Super Hero, c'était pas mal, mais... C'était pas mal. Oui, c'était pas trop mal, on va dire dans le milieu. On fera un classement à la ouais, fin des... De... Ok, je peux pas aller... Natoko. Okay, des pièces... Ils sont par terre aussi. On sert rien dedans par des pièces. Ok, il y a en dessous. Ah, ah si, j'ai déjà sauvé. Ah, j'ai eu. Ouais. Voilà, ça t'apprendra à être aussi lente. Quelle cruauté. C'est une tortue. Oh la pauvre. Elle va se mettre, tu vas pouvoir sauter dessus. Je pense, ouais. Notre chance l'a aidé, c'est grâce à toi. Pour te remercier, la tortue va te porter. J'aurais bien voulu avoir la note coucou. Le concert, c'est par là. Tu me dis s'il y a un truc, hein. Ouf. Deuxième. On peut toujours pas entrer. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Attendez encore un peu, s'il vous plaît. Où est passée la cantatrice? C'est presque l'heure, pourtant. Sans cantatrice, il n'y aura pas de concert. Où pourrait être l'étincelliste? Je sais pas où je vais, hein. Est-ce que nous sommes dans la cachette de la cantatrice? À gauche, juste. Je pense que c'est... Ah oui, ok. C'est l'entrée. Du coup, Pete Sirène ? Ouais. Sirène cantatrice. Pitch sirène. Ok, donc là je suis dans l'eau. Ta voix, on croirait entendre la cantatrice. Mais nous n'avons pas réussi à la retrouver. Tu dois faire le concert à sa place. Oula. Le flux qui attend, viens avec nous.
Tu diriges les poissons, c'est ça? Oui, 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 en chantant. T'as réussi à comprendre? Oui, ouais, je... c'était pas très explicite, pardon. Bonjour et merci de votre patience. Le groupe est en cours, est au complet et fin prêt. Bienvenue à notre concert. Nous allons vous jouer des morceaux divins. Et sans plus attendre, notre premier chant... Hein, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne vois plus rien. Ne partez pas! Nous allons devoir annuler le concert. Dire que nous allions commencer. Sauve nos musiciens. Je suis coincée ici. Ok, je suis obligée d'aller par là. Ah, il y aura une profondeur. Non, tu contrôles les poissons au fond. Ok, d'accord, c'est mon super pouvoir. T'es beaucoup de poissons, je pense, pour ouvrir. Ah oui, et du coup, il faut que j'ouvre ça. Va te sauver tous les poissons. Ok, on en a sauvé un. Merci, tu m'as sauvé la vie. Ok, il n'y a rien du tout. Le gameplay a l'air trop chelou. C'est fait... Ah ouais, ok. Je... Oui, c'est une idée. Je pense que c'est compliqué d'avoir des idées sur toutes les transformations. Il a sauvé le ruban! Ouais! À droite. Ou à gauche. Allez. Ok. Non, mais il y a de l'idée, c'est joli. Hein. C'est bien réalisé, mais. C'est très bizarre. En fait, c'est. C'est quand même très très enfantin. Non, non, non. Autant il y a des pouvoirs qui font vraiment plus enfantin en mode... Ah ? Le bleu. Mais non. Mais oui, mais... Faut que je fasse le contour. Voilà. Ah, tu l'as sauvé quand même, mais ça t'a laissé ouvert, d'accord. Ok. C'est bon. La tortue. Tout le monde a tout sauvé? Ouf, merci. Il y a une pause quelque part. Il y a une pause quelque part, ouais. Mais tu referas. Et on est au complet. T'as bien choisi tes pouvoirs, ouais. Merci. Ah oui. Faut que je les touche en fait. Je pense qu'ils veulent concurrencer Disney. Ça va être ça. Ça va être leur parc. Là, c'est. En fait, ils veulent vraiment faire du branding sur Mario et Peach et tout suite au film. Et en fait, ils ont sorti vraiment pour sortir des jeux sur ces univers-là, mais ils sont restés dans l'univers film. Oui, oui, oui. Oui, visuel. Là, honnêtement, c'est super visuel, tu vois. Non, mais ça pourrait être un dessin animé, en fait. Est-ce que ça aurait peut-être pas été. Peut-être. Tu sais, un jour, une aventure. Une. Ah, j'en ai loupé. Du coup, t'aurais dû faire le. J'ai loupé juste le dernier. Franchement, faut le faire. Tu refais, c'est pas grave. Bah, c'est mignon, mais. C'est mignon, quoi. En fait, de ce qui en ressort, là, ça fait 3 heures, un peu plus de 3 heures qu'on joue. Je pense que c'est plus de la moitié du jeu vidéo.
J'arrive pas à me faire un avis. On n'a pas forcément regardé les avis des autres parce qu'on fait toujours notre propre avis. Oui. Mais Oui, je. En fait, il y a des moments, c'est. En fait, il y a des moments, c'est ok, c'est cool et tout. Et à un moment, tu fais oh, pff, c'est ouais. un peu long et c'est pas dynamique. En fait, c'est je dirais que c'est inégal. Oui, c'est inégal, ouais. Oh, il y a une petite nounours. Ah, c'est le chat de Alice. Ah, oui, j'avoue. Ouais, c'est vraiment dessin animé, c'est marrant. Ouais, ouais, de ouf. Miaou, Peach et Stella, c'est ça? J'ai beaucoup entendu parler de vous. Vous n'êtes pas prévu dans le superbe spectacle de Dame Syrah, alors inutile de vous acharner, miaou. Vous, vous croyez capable de me battre, moi, le gardien de cette porte sombre? Je vais vite vous remettre les idées en place. Projo miaou. Il va se projeter sur toi. Là. Ah. J'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Faut la mettre au milieu. Ouais, faut juste la mettre au milieu. Faut que ça rebondisse sur sa tête. Ah. Ok. C'est logique, mais Ah, je pensais pas que c'était très explicite quand même. Surtout qu'elle se baladait un peu n'importe oui, comment oui. et que c'était pas évident à pousser. Amine, tu l'aurais attrapé dans les mains et je sais pas. Mince. Dis vite. En fait, faut se dépêcher de la mettre au milieu, sauf que c'est un peu chelou. C'est bon? D'accord. Ok. Ok. Bah c'est pas mal, mais du coup, c'est un peu... Oui, ouais, c'est un peu bizarre. Du coup, une dernière fois. Là, faut transformer ça. Et comme tu la déplaces vraiment en mode tu galères à la déplacer, oui. Tu dis, bah, c'est pas ça, ça va être autre chose. En même temps, il y a que ça, donc... En fait, il veut bouger la balle. Si tu la touches pas, en fait, il la bouge. Ouais. En fait, il la bouge, faut pas qu'elle soit au milieu. Là, il touche moi, mais par exemple, si je l'enlève pas, voilà. Il veut me virer pour après toucher son truc. Ah oui, d'accord. Et comme ça, il la balance tout à droite. Il veut jouer à la balle, en fait. Mais en fait, il veut surtout pas qu'elle soit au milieu. Bon, c'est pas grave. C'est bon, ça passe. Ouais. Ok. Oh, joli. C'est joli, tout violet. Alors, donc, ninja voleur. Kung-fu, ah bah, Kung Fu. Et... Détective. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Bah ouais, on a déjà bien, voilà. très Alors, bien avancé. Ça fait quand même plaisir de découvrir une nouvelle licence. Oui. On savait à quoi s'attendre en voyant la démo, on va dire ça. Mais c'est vrai que là, on va dire que le pouvoir de la pâtissière et le pouvoir de Saren, ça casse le rythme. Il y a des moments où ça casse le rythme. Ouais. C'est-à-dire que déjà,
t'as pas de difficulté, tu dois appuyer sur le bouton B tout le temps. Oui. Donc tu dis, bon, ouais, c'est facile, bah, ok, non. Mais c'est joli. C'est un peu compliqué parce que t'as envie de te dire, ok, ouais, c'est quand même une nouvelle licence. Faut pas oublier quand même que les gens, que ça fait quelques temps, Nintendo, ils se reposent vachement sur la prochaine console. Oui. Et du coup, bah, en fait, ce qui sort, c'est du réchauffé. Du réchauffé, du réchauffé. Et là, tu dis, bon, ah, ok, cool. Un nouveau truc, c'est cool, tu vois, ça dépend pas, c'est pas un DLC, ça dépend après, pas d'un jeu. Après, faut voir la durée de jeu, combien de temps on met. Mais là, pour c'est ouais. Vraiment. Enfin. Là, on n'a jamais ressenti ça sur un jeu Nintendo, c'est vraiment pour les très très jeunes. Enfant, un petit peu très si. Enfantin. Bah, Pikachu Détective. Oui, oui, c'est un peu ça. En fait, ça fait un peu. Oui. En vrai, vous, je sais pas si vous vous souvenez de notre vidéo sur Pikachu Détective. Bah, c'était très enfantin. C'était on avait pété pour, un câble. Bah, parce que, en fait, c'est. Tu... Non, c'était bien parce que c'était vraiment juste parler à des gens. Oui, donc, ouais, voilà. Oui, oui. Mais là, le gameplay est sympa et tout, mais tu vois, tu spam le bouton B. Quoi. Ouais, c'est vraiment très facile. Après, c'est vraiment dirigé vers les plus jeunes. Peut-être ouais. À faire en solo et encore. Ouais, c'est vraiment bah, pour les plus jeunes. Non, mais faut nous dire tout ça en commentaire. On se retrouve. Ouais, faut dire votre ressenti aussi. Hein, peut-être, vous allez nous dire. Mais je pense qu'on va faire des gros épisodes tous les deux jours. Ouais, voilà. Ça sera plus sympa. Comme ça, c'est plus digeste aussi pour nous, pour pas non plus aller faire le jeu plus vite possible. En un week-end. Tranquillement le faire, vous faire des épisodes, on se met à fond dessus pour pas avoir que deux pouvoirs qui vont nous frustrer, avoir oui. Plusieurs pouvoirs. Ouais. Et du coup, comme ça, voir ce que ça donne jusqu'à la fin. Exactement. Donc, en voilà. Tout cas, voilà, faut rester au rendez-vous, faut s'abonner à la chaîne ouais. Et on vous dit bien sûr une prochaine vidéo de Guillaume et Kim. Allez, salut!